coordonnateur national de PIACI, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est pour moi un réel honneur et un agréable devoir de prendre la parole en ce jour de grâce à l'occasion de la signature de la convention de partenariat entre le ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et la Fondation Poignée Françoise pour la Liberté. Cette convention, soulignons d'emblée, porte sur un projet de la plus haute importance pour le développement social et économique de notre pays. Le Youth Connected Cameroun, dédié à la promotion de l'emploi des jeunes à travers des indications et des formations à l'entrepreneuriat via une plateforme numérique Entreprendre. En cette circonstance festive, mais surtout solennelle et mémorable, je tiens à saluer avec déférence Son Excellence Monsieur le ministre Issa Tirouma Bakari, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, dont la vision et le pragmatisme se traduit dans l'élaboration de cette convention. Monsieur le ministre a tenu à présider personnellement la cérémonie de signature de cette convention. Je lui en suis très reconnaissant. Merci encore, monsieur le ministre. Dans la même veine, je me dois d'exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à tous les cadres du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle dans les efforts et l'expertise nouvelle de disposer de cette convention aujourd'hui après plus de 7 mois de travail. Je l'ai toujours dit et je le réitère ici devant vous aujourd'hui, la fonction publique n'est pas la voie royale. La création des richesses, la croissance économique passe toujours par la promotion du secteur privé et le développement de l'entrepreneuriat. Nos jeunes doivent être perspicaces, audacieux, comme leur demande tous les jours le père de la nation, qu'il rêve tout en étant pragmatique. Rien de grand ne s'est jamais fait sans la passion, dit l'adage. En plus de leur sens aigu d'innovation et d'entrepreneuriat, ils doivent faire montre de pugnacité, de sagacité, voire de témérité. Par-dessus tout, je les invite à demeurer solidaires, à mutualiser leurs ressources, à partager leurs entre-gens et à se faire confiance. Ils doivent éviter d'être les relais des divisions, du favoritisme, de l'incivisme, du tribalisme et du nombrilisme. L'on live Youth Connect, l'on live Public-Private Partnership, l'on live Poine Foundation, l'on live Cameroon and its Elite Chief, His Excellence Paul Biya, President of the Republic, Head of State, thank you for your kind attention. Ladies and gentlemen, la signature de cette convention de partenariat résulte de la volonté du gouvernement d'apporter des solutions efficaces à la problématique du chômage et du sous-emploi des jeunes. Car, comme l'a déclaré le chef de l'État dans son adresse à la Nation du 31 décembre 2018, je cite, un problème qui me tient particulièrement à cœur reste à résoudre. Je vais parler du chômage, et en particulier celui des jeunes. Bien entendu, les services de l'État qui sont chargés de trouver des réponses feront ce qu'ils doivent faire. La politique nationale de l'emploi a pour objectif général la création de 3 millions d'emplois à l'horizon 2023.
Pour atteindre cet objectif, le gouvernement s'appuie sur les acteurs du secteur productif tels que la Fondation Pionnier Françoise pour la Liberté. Celle-ci se propose d'accompagner le MINEFA en matière de création d'emplois durables et productifs en faveur des couches vulnérables et d'insertion socio-professionnelle des personnes vulnérables et des déplacés internes formés à travers le financement de leurs activités dans le cadre de la mise en œuvre du projet Youth Connection Cameroun. C'est le plus, n'est-ce pas, que nous ayons eu l'opportunité de nous recevoir pour construire quelque chose de beaucoup plus grave. Merci François. Vive le partenariat public-privé, long live the Ministry of Employment and Vocational Training, vive le Cameroun et son illustre chef, Son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, a exprimé gratitude à notre tête. Je vous remercie.